Prête? 3, 2, 1, 1, et hyper. paire. Comme ça, on fait la belle? Oui, mais ma tête, elle apparaît pas. Oui, ok, ta tête, elle apparaît pas. Elle sait pas quoi faire, elle veut pas montrer sa tête. On avait fait une vidéo, elle déballe sa toupie préférée. On avait fait affronter Longinus contre Forneus. Et du coup, il y a les versions Hasbro qui sont sorties, donc Louis Nord L4 et Forneus F4. Et ben du coup, on va les faire s'affronter dans mon Beyblade Stadium. Bon. Là, on a la toupie Forneus F4. La notice qu'on va pas lire. L'anneau qui me semble être de la même taille d'ailleurs que les anneaux de chez Takara. Ouais, un truc du genre. Du coup, tu prends la même? Tu prends ton pita? Ouais. Je vais tester sans ça. C'est moins accessible, hein, Beyblade. Hein. Toujours pas de métal, hein, on est sur 10 grammes l'anneau. Le poids zéro qu'on connaît, qui est très bien, assez lourd et tout, 24 grammes. Et le driver qui fait 8 grammes. Et c'est un driver, moi, que j'aime beaucoup en plus. Du coup, il y a une petite bille là, au bout là, qui tourne. Et en plus, du coup, son mode slingshot, c'est hop, on pivote, on lève. Et hop là, il y a un mode plat du coup. Et je trouve elle est du coup très polyvalente. J'adore, moi, ce driver personnellement. Le taux de burst, en tout cas, il est super facile. C'est abusé. Tu fais comme ça. Tu tournes. Dès que le ressort il est trop dur, c'est que c'est bon. Tu vas faire. Voilà. Non, ça tient pas aussi fort. Concrètement. Tu peux tirer avec ça. Oui, je vais tirer avec ça. Mais concrètement, tu veux que je perde? Bah non, tu choisis ton lanceur. Ouais, je voudrais faire, ouais. Ensuite, on a Louis Norel 4, du coup, la toupie préférée de ma caméraman. Donc, forcément, on a voilà l'anneau de Louis Nord L4. Toujours sans métal, donc le poids est de 11 grammes. Disque forgé 21 grammes. Driver 7 grammes. On mélange le tout et on obtient des crêpes. 3, 2, 1, hyper. C'est trop petit, t'as pas notre lanceur parce que ça c'est trop petit, elle est trop petite la reine. Non. T'es mon point à ta figure ou quoi? Elle est relou, elle m'a fait sortir un lanceur blanc quoi. Et là la pointe, alors là c'est différent du coup de la Jolt sur les versions Takara. Au lieu d'avoir une étoilée qui ressort, en fait, c'est une étoilée qui est plutôt à l'intérieur d'un plat. Donc, juste ça monte, en fait. Et donc, en fait, elle est toujours, tout le temps, en fait, en slingshot. C'est juste qu'elle est plus ou moins haute. Du coup, pour utiliser le système de slingshot, il faut avoir une certaine hauteur. Mais normalement, pour avoir testé avec des toupies assez basses, avec une pointe d'attaque, ça fonctionne quand même. N'empêche, c'est vraiment dommage que ces disques forgés, ils sont pas du tout compétitifs parce qu'ils sont quand même très stylés. Ah oui, aussi, on a toujours ces lanceurs verts. On n'aime pas. Moi, vous connaissez mes choix. La puissance de rouge. Voilà, avec une crémaillère, toujours comme on connaît, comme on aime, hein, bien sûr. Hein, ce bro tout tordu. Un hyper. Yes. Normalement, je gagne. Normalement, les stats sont de mon côté. Et boum. Allez, y'a quoi? Un hyper. Yes. Pendant ce temps-là, Forneus se stabilisa et fonda une nouvelle famille. Ah oh ouais, je te repars, tu me tapes, je te repars. Ah, je gagne. Je pense qu'il faut essayer dans le... Je vais faire que gagner. Le jeu, il est pas équilibré. Je pense que dans cette arène-là, le... Et oui, j'attends les accessoires Slingshock, hein. Ils sont encore en prototypage. Hein. Le QR code... Ah, j'ai oublié d'ailleurs le... Là, c'est le QR code de Forneus. Et voilà, assemblé, les deux toupies ressemblent à ça, exactement comme dans la miniature. Donc pour info, Louis Nord L4, c'est une toupie qui tourne à rotation gauche, donc attention quand vous mettez la crémaillère dans le lanceur, et Forneus à rotation droite. Et normalement, si tout se passe comme la dernière fois, Forneus devrait gagner une grande partie de ses matchs comparé à Louis Nord L4. 2, 1, hyper. On peut échanger parce que toi tu fais que perdre. Je prends celle-là. Prête? 3, 2, 1, hyper. Boum! C'est la toupie d'attaque qui verse de mieux en mieux ce jeu. Gauche! T'as vu le slingshot il part à côté. Boum! Et boum! Et boum, la toupie fait le talent, c'était trop nul, ok. Je referai plus de vidéos Beyblade, j'arrête, j'en peux plus, allez, au revoir, bonne journée. Bonne nuit.